J'offre des formations gratuites aux États-Unis dans quelques jours. Plus d'infos à la fin de cette vidéo. Alors, bienvenue dans ce tribunal ministériel. Monsieur Atangandi ira en prison. Calmez-vous, monsieur le procureur. Accusé à la barre. Soulevez vos mains. Attends, mais c'est moi le président. Tu veux ramener tes méthodes brutales là dans mon tribunal? Je sais pas ce qu'on a qualifié de méthodes brutales, non. C'est mieux pour toi. Tu sais quand même ce qu'on te reproche. Ah non. Ok, assieds-toi. Parole aux victimes. Voilà, ça nous étouffe. C'est quoi la cause? À cause des gaz. Quel gaz? Les gaz primogènes. Il n'a pas compris. Les gaz primogènes. Ça, c'est la répression. Il n'y a pas de répression au Cameroun. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Ce monsieur est une imposture. Monsieur le procureur. On le menote. Calmez-vous. La cour veut déjà savoir comment il devient ministre. Paul Attalandi m'a rencontré personnellement. Je m'adresse aux avocats de l'accusé. C'est grâce au président de la République. Ah, je vois. Vous devinez pourquoi il est à la barre aujourd'hui, non? Sous la très haute impulsion du chef de l'État. Super. Et vous voulez que le jugement se passe comment, chers avocats? Tel que voulu par le président de la République. Bravo. Afin que qui en soit le bénéficiaire? Président de la République. Pour qui voulons-nous rendre cette justice? Pour le président de la République, son Excellence Paul Biya. Oh, quoi? Les victimes. L'incendie est causé par le QCQ. Oh, d'abord les victimes de catastrophes naturelles. Il y avait un nouveau-né de 3 semaines. Ouais. Qu'on a retrouvé à 1h du matin dans les décombres là-bas. Ça fait mal. La main est suite là. Accusé, qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens? Le chef de l'État a envoyé les secours, le matelas. Ok. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous avez envoyé? Les matelas, les secours, tout ce que le chef de l'État a envoyé ce matin. Moi, j'ai toujours trouvé que Paul Attalandi était un irresponsable. Oh, pas de jugement de valeur. Parce que dans le Noun récemment, il a fait preuve de responsabilité. Il y a des dons du chef de l'État qu'on va donner aux populations. Le problème même, c'est vous les victimes. Vous voyez bien que le site est dangereux, mais... Les gens y vont pour construire. En plus, sans permis. Sans permis de conduire. Effectivement. Attends. Ça, c'est... Sans permis de conduire. Une kidnapping. Sans permis de conduire. Bref, vous êtes une Range Rover et vous recherchez une Lexus pour cheminer ensemble. Téléchargez l'application Tchat et Yamo. Bon, t'as fini avec. Calme-toi, mon petit. On sait que Tchat et Yamo est la plateforme de rencontre par excellence entre l'Afrique et sa diaspora à travers le monde. Que tu sois entrepreneur, cadre, ingénieur et que tu n'arrives pas à faire des rencontres dans la rue parce que tu manques de temps ou alors pour une autre raison, Tchat et Yamo va te proposer les profils de toutes catégories parmi lesquelles tu pourras faire ton choix. Tchat et Yamo, c'est la seule application qui a mis sur pied une innovation appelée les vidéos dates. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les photos des célibataires, tu verras des vidéos des célibataires qui se présentent à toi en te disant ce qu'ils recherchent véritablement. Tchat et Yamo, c'est définitivement la référence avec des milliers d'anciens célibataires qui ont déjà trouvé l'amour de leur vie. Téléchargez Tchat et Yamo et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Revenons au tribunal. On est à quel niveau? Sans permis de conduire. C'est comment, Bill? Tu es toujours fâché. Oh, arrête, c'est juste un lapsus, un peu comme son collègue. Les gels hydroélectriques. Voilà. Voilà pourquoi le chef l'État nous... Oh, Végéta, calme-toi. Parole à l'accusation. Ce farfelu la Tangandi. Oh, pas d'invective. Suivant. Pour moi, le ministre de l'administration territoriale est un agitateur. D'accord, pourquoi tu agites? Parce que le chef l'État suit cette affaire de très près. Il a répondu, suivant. Il parle comme un homme du quartier. Non, c'est pas vrai ça. À l'époque, on disait peigna, peigna. Bon, suivant. Pourquoi ce monsieur n'a que la logique de la violence? Les preuves, s'il vous plaît. S'il veut servir la tempête, on va lui servir le tsunami. Ok, suivant. Il parle justement comme un ministre épineux. Y a-t-il des preuves? Dans bientôt, il va se retrouver dans le pays de si je savais. Bon, c'est pas trop grave. Et il vivra son sort tristement dans un coin isolé. Monsieur le procureur. Monsieur Attalandi ira en prison. Pour quelle raison exactement? Parce qu'on ne parle pas comme ça en peuple. C'est juste des paroles, non? C'était les abeilles un moment. Je ne comprends pas. En tapant sur une ruche d'abeilles, vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. Aujourd'hui, il dit Moulinex. Ok, tu as dit que le Moulinex, ça fait quoi? Le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Si le peuple, qui est l'énergie électrique, n'alimente pas le mixeur, il n'écrasera personne. Effectivement. Accusé, comment trouvez-vous vos propos? Sans permis de conduire. Ibaba. Ouais, il est anglophone. Regardez son collègue francophone. In January, une receive 100,000. Si ça te dépasse, inscris-toi chez Deutsche Sprache Zentrum. Ils ont fait 2 centres à Yaoundé, un à Konegi, l'autre à Kradat. Il y a encore un petit. Deutsche Sprache Zentrum, c'est le meilleur cadre pour apprendre l'anglais et l'allemand. Désormais, c'est chronomètre à la main qu'ils vous mettent l'anglais et l'allemand dans la tête. En 925 minutes seulement, vous allez pouvoir parler ces deux langues. Normal, c'est ce qui se passe quand les enseignants viennent tout droit d'Allemagne. Voici le contact. Pour les étudiants, ils vous accompagnent jusqu'à l'obtention du visa. Et pour ceux qui veulent l'argent, ils vous offrent la possibilité de faire une formation rémunérée en soins infirmiers en Allemagne avec embauche à la clé. Les cours commencent lundi à Douala et Yaoundé. Dépêchez-vous de vous inscrire. Étymologiquement, un ministre est un serviteur et non un donneur d'ordre. Justement, accusé, êtes-vous prêt pour la sentence? Le président de la République nous a demandé d'être toujours prêt.
Pourquoi tu es toujours en train de citer son nom? Je cite le président Paul Biya parce que c'est un exemple à suivre. Ok. Est-ce qu'il menace les gens? Non. Est-ce qu'il est va-t-en-guerre? Non. Un mot donc pour qualifier ton comportement. Lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Voilà, tu as compris. Ce comportement est... terminé. Les intimidations? Terminé. Les arrestations? Terminé. La répression? Terminé. Voilà, tu es pardonné. Un mot pour rassurer le peuple. Toutes les tentatives de trouble à l'ordre public seront traitées avec la plus grande fermeté. Mon frère, tournez le rêve. Bébé, fais-moi voyager. Et puis c'est tout. J'arrive aux États-Unis pour des formations privées et vidéos spéciales. Et j'ai décidé de faire 3 formations gratuites au Maryland, à Dallas et à Atlanta. Enregistrez-vous, voilà les contacts. Et pour ceux qui veulent une formation privée sur mesure ou des vidéos spéciales sur eux ou leur entreprise, le numéro est là.